Ça va être une putain de belle journée. What a beautiful fucking day. Oui, bon, évidemment, si eux, ils continuent à... je sais même plus c'est quoi le cri d'un âne en plus. Ah bah tiens, maintenant, c'est le cri du coq, tu vois. Bon. La poule fait cote-cote, le canard fait coin-coin, le cochon fait... et le poisson fait rien. S'il continue à faire du bruit, je sais pas, vous allez sûrement le mettre en commentaire, c'est le cri qu'ils font. En tout cas, là, on est à Neuilly-sur-Marne, championnat régionaux de cross-country. Alors, les LIFA Est, 77 Seine-et-Marne, 94 Val-de-Marne, 93 Seine-Saint-Denis, 75 Paris, Paname, et puis c'est tout. Oui. Ouais, ce sont les 4 départements. Les autres départements sont LIFA Ouest, donc là vous ne me voyez pas, ouais, voilà, là je suis dans la lumière, alors je vais devoir aller à reculons, là, pendant que tout le monde avance, là de l'autre côté, voilà, alors vous voyez PSG et Manchester United, je vous jure, c'est une pure coïncidence, j'avais déjà adopté cette tenue-là avant le tirage au sort de la Ligue des Champions, donc ça aura lieu la semaine prochaine, mais là, nous on est en athlétisme, alors on va aller voir ça de plus près. Une course assez facile et bah, c'est les régionaux et il y a quand même la deuxième qui est assez forte. Si tu peux dire, tu t'attendais simplement à être comme ça en tête dès le début? Je savais pas qui allait avoir, je connais pas trop les concurrentes. Enfin, donc je me suis dit de toute façon tu fais ta course, tu pars, t'arrives le plus vite possible, c'est du cross-court, il n'y a pas le temps de penser. Et... quand on part comme ça, bah, c'est bien quoi, enfin, on peut que gagner. Voilà. Ça a commencé à être dur en senior, je savais qu'en vétéran j'avais quelques bonnes choses à aller chercher, donc troisième place aujourd'hui, je suis content. On va dire François, les années vétérans se suivent et se ressemblent un petit peu avec d'autres vétérans qui arrivent. Ouais, là je suis vraiment content, j'ai rarement été content comme ça de gagner. Parce que bon, bah ouais, ça fait maintenant, c'est la sixième année vétéran, tu te dis que tu vas finir par faire taper. Bon, je gagne pas la course, hein. C'est Toura qui gagne, c'est lui qui a gagné, mais bon, je savais qu'il était étranger, bon, ça fait plaisir, quoi. Oh là là, mais qui vois-je? Oh là là. Oh là là. Amine Zatouni. Voilà. Ça fait depuis combien de temps on se connaît maintenant? 6-7 ans 2014, stage à la Toussaint après Manon. C'est ça. C'est bien, hein. Ah, je peux pas l'oublier. Moi j'ai un temps pour les dates, tu vois. Ah, je sais. En plus, t'es le premier qui vient me voir et qui me dit « Ah, mais t'es Amine Zatouni ?» Je dis « Mais en plus j'étais là, je dis « Ah ben non, mais à qui ai-je l'honneur ?» Le reporter athlé. Voilà, c'est exactement, le futur reporter athlé. Voilà. D'Île-de-France et de France bientôt. Emmanuel il a signé un nouveau club RMA, Racing Multiathlon. Et je suis venu encourager les athlètes. Marion Placzek qui est la fille de mon copain Bruno Placzek. Marion Placzek. Après la sélection avec Laurie, je doutais sur la suite de ma carrière, je savais plus où j'en étais. Et avec mon club, ça allait plus très bien. Du coup, je m'étais dit, je fais un an je me remets en question, je réfléchis. Et au final, j'ai trouvé le club du RMA, donc le Racing Multiathlon. On va dire qu'ils ont sauvé ma carrière. Je dirais que c'est plus fort. Après, moi, j'avais pas fait les départementaux d'Île-de-France parce que j'étais repartie dans le Nord. Mais en fait, les régionaux correspondraient plutôt à nos interrégionaux, je pense. Il y a quand même un gros niveau, ça c'est certain. Et ouais, je dirais que c'est beaucoup plus fort que les Hauts-de-France. Hein. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo, car il y a également les interviews complètes de ces championnats LIFA Est de cross-country. Je vous dis à bientôt.